Et Mike, tu réponds au coup de booster. Coup d'artin. Et de nouveau la jambe de Mike qui est attaqué par booster. C'est ce qui va peut-être permettre à Booster. Et maintenant la deuxième jambe. Après, ça donne une grosse minute de match. Booster qui reprend l'avantage. Booster qui a pris l'avantage après 7 minutes de match où Mike a lancé toute sa foule dans ses débuts. Et là, voilà, Booster travaille la jambe. Et regardez, on travaille intelligemment. Booster tente de couper le souffle de Mike. A remis Booster au sol. Compte de 3, 4, 5. Et Booster qui se remet à nouveau sur ses jambes. Et de nouveau les jambes, très intelligemment. Comment est-ce que Mike pourrait se relever si Booster s'attaque toujours à ses jambes? Oh, de nouveau des coups de chaise. Ça peut finir par être dangereux de tels coups de chaise. Donc Booster, sa seule stratégie, c'est briser les jambes de Mike pour éviter qu'il se remette debout. Booster qui a pris l'avantage après ses 14 premières minutes. Et Mike à nouveau qui reflète. Booster, amour et technique. Mike qui revient toujours après ses 15 minutes de match. Mike a encore de la ressource. Et à nouveau, Booster fait chuter Mike. Et attention, il prépare une solution. Mais il n'y a pas de solution, donc c'est vraiment pour lui briser les jambes. De la technique, la prise en 4. Et Mike ne pourra pas abandonner. On s'attaque aux jambes du jeune champion. Voilà l'intelligence. Et il n'y a pas de disqualification, pas de décompte. Mike aura beau saisir les cordes. Booster, à force de matraquer les jambes, a réussi à mettre le champion au sol. Oh!
regardez Pierre Booster, Fontaine qui prépare la prise en 4. Et c'est appliqué. Allez l'adversaire, il faut l'encourager, le champion. Booster veut empêcher à tout prix Mike de pouvoir utiliser ses jambes pour se remettre debout. Booster très intelligemment, 20 ans, plus de 20 ans d'expérience, qu'il utilise face au fougueux Mike. On dirait que Mike a perdu connaissance. Compte de 4. 5. Allez le placard. Est-ce que Mike va arriver à se mettre debout? Les jambes ont du mal à se souvenir, le travail stratégique de Booster est en train de payer. Je suis sûr que sans ça, il aurait réussi à surpasser le champion. Et regardez le courage de Mike qui surpasse la douleur. Alors que 18 minutes se sont déjà écoulées, Booster matraque. On matraque le crâne du jeune champion, attention! Booster qui est tombé sur la nuque, c'est fini. Je vois pas comment on peut se relever de ça. Le comptage. Ce match va se finir, 20 minutes de match auront suffi pour battre Booster. 7, 7, 8, 8, 8, non, incroyable la résistance du French Pro Wrestling God et Mike. Booster qui revient à nouveau. Attention, il passe à l'arrière. On ceinture, Mike. Renversement. Oh, oh, la nuque de Booster qui s'est fracassée au sol à nouveau. Deux. Est-ce que ce sera suffisant pour le champion conserver son titre?